Ich fand das so auf der Kalasana Isaac. Am Nila so konstruiert so. Die ja man kann da kein Lieder, die fand das hier noch an. Man kann da kein Auto bei dem Mann, bau sich da kohne, so wie da, man tau mit. Wo reist noch von Nato, so wie da, und da dir an Lieder. Am Nila dann wird du ein Kiesmatink. So die ja, wenn die Mama nicht Kiesmatink hat, kuno, an der Tat an der Fieder an der Nonkietink. Kau dia even mino azro ni talenta tempo la katana no tempo no bisane bisro zro yafi ta yuri para besi kul kul azro umban fas pa pana sim fita ino mata kali ba yan chu ar dia itu pa fun da sitia ba no ni zai ka ya kala se san me funda ta no la la da am yan pira ne rit te mana sia na ifema re no tempo ar sare ka to di ulaza no ni yan um ni nala Jesu Kristi tu pamai amen. Прошу от скрыта, аж во флорида в тупо.
Thank you.
știi din frunii, plac, iol, taină, mamuți, ca famișa, natașa, zei, zei, pe piața am zis, zei, na piața am zis, zei, zei, na piața am zis, 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 la chanson que nous allons faire maintenant s'intitule Serment. Ça a été composé par le chef d'orchestre de ses enfants qui est décédé il y a quelques mois. Et donc c'est à son hommage que nous allons interpréter ce morceau. Serment.
रखूं पेड़ पे मायर रखूं पेड़ पे जगह में चलो आई ना आई ना तो शुभ ना कुछ ना पा ना आई को ना बारना नूतन रमुंगे ये ती ये ती जने इरा मोटेर ना एच शिरान अंता अंता नूतन की पा जन बना जने Thank you.
pour jouer un peu le divertimento de Mozart, le numéro 138, premier mouvement, mouvement de mon ami Mozart. Ça. Thank you.
40, 45. Puis ma parole. Thank you.
Je suis venu à l'école de l'Assemblée 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 de
tsara dia aleo izy sivy folo any zany dia aleo kizy reo zany a mipetraka amin'ny amin'ny olofilina tanteraka araiky andraika olofilina andraikitra tanteraka ary ma misy alalina avy amin'ny amin'ny tribunalna mametana an'ireo kizy reo a sy ny ministère ny population dia mipetraka tanteraka eo izy ireo izy ireo mianatra amin'ny sekolympanjakana daholy ao amin'ny OPP ambohipeno ny kely rehetra dia ny lehibebe indray a ao amin'ny CEG na lycée ambony manambola dia ny lehibe indrindra dia any amin'ny université manao faculté de médecine zany le vavy lehibe indrindra iny zao a miditra troisième année de médecine izy amitikatra zany mbola kely izy miditra tao zany a dia zao izy asa troisième année médecine izy zao dia zay ny tanjona mahatsotra any hoe mba tsara mahatsotra any hoe ny ankizy a amena tokony manana anjara tsara daholo ny ankizy samy manana anjara tsara ray fa tsy hoe rehefa hoe nisy fasaranatra amboloany dia ho sahirina mandravambatra amin'ny fiaina izy fa amenao sehitra izy a ahafahany mivelatra ary eo kizy reo dia tena mivelatra tanteraka mihitsiny any amin'ny fianarana taony ihany zany a dia tena ny ankabiazany a mandroso be daholo mihitsy hoe isan'ny volondona ny fianarana daholo zany ny le faharoa koa zao vao afaka baka teo izy zany afaka baka teo dia mbola mikarakara n'le filiera idira moa zany amrotony zao fa izy maniry tianao médecine koa izy fa mbola tsy fantatra na nlahatra amizay dia ny sasany mihetra indray a any amin'ny lycée na CEG dia isy amitana lohandarina foana amin'ny sekoly zany hoe ny tena tiako ampitainy amin'izay a ny mozika tsy zavatra manariny ankizy mihitsiny tsy hoe ndrany a mantsy misy amitele lah ny andra manao mozika fotsiny le kizy
tia mihitsy zany mihitsy fa tena mivika tena manitatra ny sainle ty izy mihitsy tena mihitatra be mihitsy sainle ty izy a ary mampandrotra azy amin'ny fianarana amin'ny lafinetra mihitsiny lasa misy zavatra telo ny tena ateraka le fampianarana ty izy mizika manana esprit de création izy zany hoe le mizika mitarika azy manofinofy a mamoromorona eo izy tany zany a de mora mamoromorony zavatra izy de rehefa tia amoromorony zavatra izy a de manana faharoandra izy le esprit de création voalohany zany a azafaty mitempratsana avakoa zany de av eu de ce esprit d'entreprise nday misedra an'le izy de tonga de ataon'le zavatra ohatrany hoe nofinofisany iny de tanterahany mihitsy de ny fahatelo a manana toetsana mana discipline izy satria voataiza ao anatin'le voataiza amin'ny discipline de reokizy roa moa zany voataiza ny discipline daolo de ny tena intsana be any amin'ny ambarivona felona moa zany de fampianarinay anstria civisme satria ny fiviany ndraiky izy reo tena misy tena mampalelo betsaka ny mampalelo ohatrany zany a fa tena miva be mihitsy ndraiky izy tena vamivoatra be de izy reo zany mijanona tanteraka amin'ny felona izy a lebiazina atao zy atafita azy a de ohatrany hoe fianakaviana lehibe izy de ohatrazay zany izy juste un petit Excusez-moi, je tiens à redire un peu en français ce qu'il a dit en malgache tout à l'heure. Je vais essayer de refaire, hein, j'espère que je n'aurai rien oublié. Mon mari disait tout à l'heure qu'on a, ouvert l'orphelinat en 2011. Pourquoi ? Parce que nous deux, il est chirurgien, je suis pédiatre comme je disais tout à l'heure, nous sommes confrontés très souvent aux abandons d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants abandonnés, il y en a même qu'on a vu qui étaient nés. Et puis ils ont jeté presque près de la clinique. Puis après, on a pris. Donc, secondairement à tout ça, nous avons décidé, mon mari et moi, à créer un orphelinat. Et c'était toujours notre devise il y a très longtemps. Et on remercie infiniment le Seigneur parce qu'on a pu réaliser. Donc, on a acheté le terrain, on a créé la maison, on a construit, on a bâti la maison. Et puis après, on a demandé l'agrément auprès du tribunal, du ministère de la Population. Et puis après, donc, on a eu l'agrément. Et on a eu ces enfants. Nous sommes restés 19, comme il a dit tout à l'heure, parce que nous souhaiterions donc que notre objectif à nous deux, c'est que ces enfants réussissent à leur vie. Donc, on n'était pas pour qu'on augmentera encore le nombre d'enfants. On restera à 19. Comme ça, ces enfants resteront comme une grande famille pour nous, premièrement. Et deuxièmement, que ces enfants réussissent. Ces enfants, comme il a dit tout à l'heure, sont à l'EPP, il y a certains à l'EPP, il y a certains au CEG, il y a certains au lycée, et l'aînée, celle qui jouait au violoncelle tout à l'heure, elle passe en troisième année de médecine. Et l'autre qui était à côté, il a eu son bac, et il souhaiterait faire médecine aussi. Pas tout le monde médecine, bien sûr, hein. On est 19, on ne va pas être 19 médecins. Il y a certains qui se font autre chose. Et ben voilà, notre objectif, donc, c'est que ces enfants réussissent. Quel que soit le domaine qu'ils souhaiteront, ce n'est pas un problème, mais le souhait, c'est qu'ils réussissent à leur vie. C'est qu'ils ne resteront pas comme ils ont été. Parce que certains de ces enfants ont été abandonnés. Ils étaient abandonnés complètement. Si vous voyez le dossier, père inconnu, mère inconnue, adresse inconnue, famille inconnue, ben rien du tout. Et nous tenons à vous faire savoir que tous ces enfants sont des orphelins, des 19. Mais pas, parce qu'avant, on jouait, puis on prend un contrebassiste. Mais là, maintenant, le contrebassiste qui était là, ben, c'est un orphelin aussi. Voilà, on vous remercie encore infiniment d'être venu. À la sortie, après, quand ce sera fini, une urne sera déposée près de la portière, près de la porte. Et nous souhaiterons vivement votre participation. Merci infiniment, merci d'avance, merci de votre présence, merci pour tout. Thank you.
allons prendre la deuxième partie. On commencera par la cantate de Bach et Sandrio va faire le solo de trompette là. Thank you.
ensemble. Ça ne suffit pas trop, bien. Thank you.
Alors, les concertos grosso de Noël, Andy Arcangelo Corelli, nous allons vous présenter le concerto grosso numéro 8, opus 6 de Arcangelo Corelli, compositeur italien. Il y aura plusieurs mouvements là-dedans. On souhaite qu'on applaudisse vers la fin, qu'il ne faut pas couper l'inspiration. C'est une œuvre assez difficile quand même, mais ils mettent de leur remonter. Voilà. Concerto grosso de Noël. Yeah.
my God to thee. Thank you.
faire un extrait du Divertimento de Mozart, numéro 136, un extrait du premier mouvement. Thank you.
aller peut-être dans un bouche de médecine, j'aimerais bien faire une partie de l'hôpital, même si j'ai des petits, des vieux, des chimistes, des vieux. Chose à l'heure, on a une bouche de l'hôpital. Les femmes étaient dans l'agent qui ont tenu, ils ont levé la charrette, ils m'ont attrapé, ils n'ont pas bien. Bien. Faire un beau calé, c'est un beau calé. Car on a un agent d'eau, on a un. Aujourd'hui, à fin, on a un calé, on a un calé, on a un calé, on a un calé, on a Sur la norme, je vois, femme et caracara, enfin, sur la monopolie, tout le monde, sur le Boulogne, en des cathédrales Saint-Laurent, en des archidiacres, ni dans des vega, signe archidiacre, sur la monopolie, en mai, en des cathédrales Tina, en des conseils, sur la pétition. Et sur la monopolie, en le bleu, pas de pied, ni à la machine. Et si jeune femme va faire notre réécha, on me peut pépé en bout de pépé. Je ne sais pas que je n'ai pas de culina, ni à d'autres matchs de vidéo. Et ni pas un peu pas bien, ni le directeur, ni le proviseur, ni à me CEG, c'est le lycée en bout de pépé. Avec un moment de l'espace. Et tout le monde a fait un président de l'université, dans le Canada libre. Si tu es un doyen, tu es un médecin, tu es un jeune homme, 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 tu es un jeune Surtout que c'est une culture qui ne fait pas de choses qui ont été faites en Pyrénées dans les jours. Et ça, c'est un peu comme un député, il y a une culture qui a besoin de la roue, il y a une nationalité, il y a une caractère, il y a une culture qui a été faite en Pyrénées. Il ne fait pas de choses qui ont été faites. Quand tu es un peu plus de choses, tu es une culture. Ma tour est corrélée, ma douche est, ma tour n'est jamais marchée, si ne marche pas, on va être une culture. La fenêtre de mise en œuvre, la classique, la peinture, la littérature, etc. Tu peux me connaître, c'est une culture de l'Ukraine. La tienne aussi, c'est une culture de l'Ukraine, c'est une culture de l'Ukraine, c'est une culture de l'Ukraine. C'est une culture de l'Ukraine. Mais comme ça, on a jamais été dans des pays, c'est une culture de l'Ukraine. Excusez-moi si je m'exprime en français. Désolée, je ne peux pas faire en anglais. Merci infiniment de votre venue. Merci d'avoir assisté à ces enfants, à nos petits protégés. Ils sont 19 et les 19 qui sont là sont tous nos petits protégés. Et comme disait mon mari tout à l'heure, il y en a qui sont à l'EPP, qui sont 3, il y en a qui sont au CEG, 4, il y en a qui sont au lycée, ils sont 19 en tout cas. Et puis il y en a une qui est à l'université, qui est en 3e année de médecine. Merci infiniment d'être venu, merci de nous avoir assisté, merci d'avoir écouté ces enfants. Nous espérons vivement que vous pouvez nous avoir la prochaine fois quand nous allons offrir un autre concert. Et voilà, merci infiniment, merci à tout le monde. Je ne disais pas qu'on parlait tout à l'heure, on va vous faire un conseiller, madame députée. Tout le monde, quoi. Merci infiniment, merci de votre présence, madame les bleus. Juste pour les présenter, quoi. Au premier violon, il y a donc Sandra. Thank you.
Simon. C'est Sarah. Félicien à la contrebasse. Félicien joue à beaucoup d'instruments, il joue très facilement violon, violoncelle. Et la contrebasse, je lui ai donné il y a juste 3 mois, il se débrouille vite. Pour la section des vins musicales, ils apprennent tous le violon, mais encore à un niveau très bas encore. Mais par contre, au chant, ils y vont, ils aiment bien chanter. Il y a donc Jean. Yeah.
Thank you.
Rachel. Simon Chit. Hey. Thank you.